La joie pour le fils qui est rentré au bercail. La joie dans la famille. La joie dans la communauté. Et il y eut la régénération. Un changement. Un renouvellement. Une régénération. Et il y a eu le repos. Maintenant, il resta à la maison. Il n'est plus sorti. Maintenant, il pouvait se reposer, se réjouissant dans son cœur que je suis revenu à la maison pour rester. Plus de balades, plus de promenades. Il n'y a plus de vagabondage pour aller dans le pays lointain. Il y a un temps qui vient dans notre vie où nous arrêtons de chercher la nourriture sauvage. Nous sommes restaurés et nous nous reposons. Il y a le renouvellement. La vie renouvelée. C'est pour cette raison que nous sommes ici ce soir. Je vous prêche ce soir sur la restauration et le renouvellement du fils prodigue. La restauration et le renouvellement du fils prodigue. Nous allons voir trois choses. Premièrement, nous voyons la tristesse et les regrets d'un fils prodigue. La tristesse, l'angoisse, la souffrance malheureuse et les regrets d'un fils prodigue. Deuxième point. Les degrés ou les niveaux de repentance par les âmes en pétition. La repentance a des niveaux. La repentance a des étapes. La repentance a des types de natures différentes. Les degrés ou les niveaux de repentance par les âmes en pétition. Troisième point. La grâce pour le renouvellement d'un fils pénitent. La grâce, elle est disponible pour nous. La grâce débordante. La grâce qui nous atteint. La grâce qui est disponible pour toi et pour moi. La grâce. Pour le fils qui revient au bercail, la grâce. Pour le serviteur qui est à la maison, la grâce. Pour les âmes renouvelées, la grâce est disponible pour toi. La grâce est disponible pour moi. La grâce pour le renouvellement d'un fils pénitent. Voyons le premier point, la tristesse et les regrets d'un fils prodigue. Je vous ai parlé déjà du fils prodigue. Premièrement, il était à la maison. Deuxièmement, il s'est éloigné de la maison et la souffrance est venue comme résultante de sa décision insensée. Il y a trois sous-éléments que nous allons considérer. Voyons, le premier élément, c'est l'identité du fils prodigue. Deuxième élément, l'iniquité du fils prodigue. Troisième élément, l'indignité sur un fils précédemment privilégié. Voyons le premier élément. Qui est le fils prodigue? Où se trouve le fils prodigue? Où réside le fils prodigue? Si vous rencontrez un fils prodigue, est-ce que vous pouvez le reconnaître? Numéro 1. L'identité du fils prodigue.
Voyons dans Luc chapitre 15. Lisons le verset 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. Verset 12. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père le partagea son bien. Voyons le verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. L'identité du fils prodigue. Je ne veux pas rester sous le contrôle du père. Je veux être indépendant. Je veux être indifférent de tout ce que mon père veut que je fasse. Je veux étendre ma propre volonté aux frontières éloignées. Je ne veux aucun contrôle. Je ne veux aucun conseil. Je ne veux aucune compagnie. J'en ai marre des conditions à la maison. Avez-vous trouvé un enfant de ce calibre-là, très récemment, un enfant de ce type-là, qui ne veut plus rester à la maison? Je veux sortir pour avoir ma liberté personnelle, la liberté pour faire tout ce que je veux faire, la liberté pour boire, la liberté pour fumer, la liberté pour boire les stupéfiants, les drogues, la liberté dans la société, la liberté pour se jeter seul dans le monde, la liberté pour ressembler au monde, la liberté à parler comme le monde, la liberté à s'habiller comme le monde, la liberté pour être ce que le monde est. Nous trouvons de tels enfants, de tels fils dans notre société aujourd'hui. Leurs parents sont des gens respectables. Les parents sont des personnes à succès. Les parents sont de bonnes personnes. Et ils ne voient aucune beauté dans leurs parents. Ils sont éloignés de la maison. Ils ne veulent plus continuer la scolarité, l'étude. Les études, ils disent, donne-moi ma liberté. Ceux qui regardent au Père Céleste et qui ne voient aucune beauté en Dieu. Ils ne voient aucune gloire en Dieu. Ils perdent toutes choses concernant Dieu. Les commandements de Dieu, ils n'ont rien à foutre. Le contrôle de Dieu, ils n'y pensent pas. Ils rejettent la compagnie de Dieu. Non, ils veulent être indépendants, indifférents. Il s'agit là du monde dans lequel nous vivons actuellement. Certains essayent de venir à l'église, s'arrangent pour venir à l'église. Mais ils sont indépendants vis-à-vis de Dieu. Ils sont indifférents de Dieu. Et finalement, lorsque le prédicateur ne dit pas ce qu'il veut que le prédicateur dise, ils sont partis loin, dans le pays lointain. Et ce n'est pas uniquement ce fils. Il y a également des prédicateurs qui sont des serviteurs prodigues. Jonas est un serviteur prodigue. Il y a des ministres qui sont des prodigues. L'identité d'un serviteur prodigue.
indépendants de Dieu sont-ils? Ils sont indifférents de Dieu, indifférents vis-à-vis de la Bible, indifférents vis-à-vis de l'appel de Dieu sur leur vie, prodigue dans notre vie. Chaque fois que nous nous comportons comme s'il n'y avait pas Dieu, chaque fois que nous vivons comme s'il n'y a pas de commandement, chaque fois que nous vivons comme s'il n'y avait aucun contrôle divin, il s'agit là d'un homme prodigue. Il s'agit là d'une femme prodigue. Numéro 1, l'identité d'un fils prodigue. Voyons le deuxième élément. C'est l'iniquité d'un fils rebelle. L'iniquité du fils rebelle. Revenons dans Luc chapitre 15. La dernière portion de verset 13. On dit, il ramassa ou il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Tout ce qu'il a eu, il n'a pas travaillé pour ces choses. C'est un héritage venant du Père. Il s'est rendu dans le pays lointain et il dissipa tous ses biens. Ce que le Père du ciel nous a donné. Les dons pour lesquels nous n'avons pas travaillé sont nos visages, nos apparences faciales belles, nos cerveaux, notre quotient intellectuel, notre intelligence, notre génie, notre force, notre puissance, notre vision et notre vue, notre audition et puis notre perspicacité, notre force et notre énergie physique. Donc, le goût que nous avons sur notre langue, la substance que nous avons, les biens que nous avons, alors, tout ce que nous avons obtenu par sa capacité. Plusieurs se sont envolés loin du Seigneur et ils ont perdu le temps, ils ont gâché les trésors et ils ont perdu toutes choses qu'ils possèdent de la part de Dieu. L'iniquité d'un fils rebelle souillé. Il a dépensé son argent sur ce qui va le détruire. Nous dépensons nos énergies sur tout ce qui va nous détruire. Nous dépensons notre intelligence sur ce qui va ruiner notre santé. Nous dépensons notre temps pour visualiser ces vidéos pornographiques sur les réseaux sociaux. Les choses que nous voyons, les choses que nous entendons polluent nos vies. Et ces choses changent notre vie de manière pire. Et c'est ça notre iniquité. La main que le Dieu du ciel nous a donnée, nous l'utilisons pour l'iniquité. Les pieds que le Dieu Tout-Puissant nous a donnés, nous marchons pour aller dans des endroits où nous dissipons toutes choses. La pensée que Dieu nous a donnée, nous nous mélangeons avec les gens qui détruisent nos vies. L'iniquité du fils prodigue, l'iniquité du fils du serviteur prodigue, l'iniquité d'une âme prodigue. Et aujourd'hui, nous n'avons pas tout ce que on avait quelques années passées quand on était à la maison.
Les cellules dans nos cerveaux sont en train d'être déconnectées. Nos cellules ne sont plus fonctionnelles comme elles l'étaient auparavant. À 40 ans, à 50 ans, nous devenons des gens oubliés. Nous avons dissipé le cerveau. Et le cerveau n'est plus tranchant comme cela était auparavant. Nous avons ruiné nos pensées. Notre vision n'est plus perçante comme avant. Nous essayons de regarder les choses qui ternissent notre vision. L'excitation, l'enthousiasme, il y a la force pour vivre. Mais nous avons détruit ces choses. Nous nous sommes détruits comme le fils prodigue, comme des âmes prodigues, comme des serviteurs prodigues. Notre iniquité nous a ruinés. Nos associations nous ont ruinés. Nous sommes devenus une communauté de gens dépendants. Nous sommes dépendants des choses qui ne peuvent pas nous aider dans la vie. Cela est devenu une habitude mortelle. Et nous nous sommes habitués aux choses mauvaises parce que nous sommes des fils et des serviteurs prodigues. Voyons le verset 14. Verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, un temps vient, peu importe la quantité du bien que vous avez, cela est épuisé. Un temps vient, peu importe votre, peu importe la force de votre cerveau, le cerveau est épuisé. Peu importe la vision, la vue que vous avez, les yeux d'un aigle. Vous utilisez ces yeux d'une manière que finalement, la vision, la perspicacité, la perception, toutes ces choses sont parties et on n'a plus rien pour quoi vivre. Chaque jour vient et tout chaque jour, un temps vient où chaque jour est devenu un jour de fatigue. Chaque jour est un jour de remords. Tous les jours deviennent des jours de dépendance. Le fils prodigue. Le fils prodigue. Le mari prodigue. La femme prodigue. Cela veut dire que nous abandonnons les bonnes choses dans la famille. Et le mari est devenu très attaché aux étrangères, au dehors. Et la femme devient aussi attachée aux étrangers, au dehors. Mari prodigue, femme prodigue, les enfants n'ont aucune attention pour la maison. Aucun souci pour le père, aucun égard. Aucun égard pour maman. Ils sortent sans même permission. Ils reviennent la nuit, n'importe quelle heure où ils veulent revenir. La mère est en pleurs. Ma fille, elle prend le téléphone et appelle sa fille. Ma fille, où es-tu? Pas de réponse. Cette fille n'a aucun sentiment d'affinité pour sa mère. La même chose partout dans la société. C'est une société rebelle. Voyons le verset 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays.
chaque pays a des citoyens différents. Il y a des citoyens qui fabriquent de l'alcool. Il y a un citoyen qui fabrique des boissons illicites. Il y a une société ou un individu dans la société qui fabrique des stupéfiants, des drogues. Ce type de citoyen-là n'exige pas un diplôme pour travailler. N'importe qui peut venir. Et le fils prodigue n'avait pas vu d'ouverture ailleurs. Et il a trouvé ce citoyen-là. Si vous voulez mener une vie dure, vous allez voir un citoyen qui va satisfaire ce désir en vous. Si vous voulez vivre dans l'addiction, vous trouverez un citoyen qui vous attend. Vous allez vivre dans l'addiction. Si vous voulez apprendre à devenir un voleur de grand chemin, tu trouveras un citoyen qui t'attend. Il y avait une grande famine dans le pays. Et ce fils prodigue s'est rallié. Personne ne l'avait forcé. Il avait sa volonté propre. Et la voix pouvait venir pour dire « Retourne à la maison. » Il dit « Non. Je poursuis mon indépendance jusqu'à la conclusion logique. » Alors, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Et ce citoyen-là, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Vous voyez, ce citoyen ne peut pas envoyer ses propres enfants, ne pouvait pas envoyer sa propre fille, ne pouvait pas envoyer les gens qui lui étaient vraiment précieux. Mais celui-ci, il veut de l'addiction. Je vais lui donner de l'addiction. Il veut une vie gâchée. Je lui donnerai une vie gâchée. Il est venu volontairement pour se prêter volontiers. Je ferai tout. Il a dit, je reprends ma vie de mon père. Et je te donne ma vie. Utilise-moi. Utilise-moi. Abuse de moi. Abuse-moi. Je suis tout à toi. Lorsque nous quittons le Père Céleste et que nous poursuivons notre propre voie jusqu'à notre conclusion finale, nous disons ainsi au monde, « Monde, utilise-moi, je suis là. » Ce que tes parents ne pouvaient pas faire, tu dis maintenant à ces gens-là, je suis disponible, utilise-moi. C'est ce qui lui est arrivé. Numéro 1, l'identité du fils prodigue. Numéro 2, l'iniquité du fils débauché ou souillé. Numéro 3, l'indignité sur un fils précédemment privilégié. Précédemment, il avait le privilège. Si le père devait l'envoyer quelque part, le père dirait, on va discuter ensemble pour voir. J'ai quelque chose pour toi. Peux-tu aller là-bas? Peux-tu faire ceci? Avec un sourire sur le visage du père, il dit, viens discuter ensemble. Le citoyen dans le pays lointain là, ne lui a
n'a pas demandé l'avis, n'a pas posé une question même à ce fils-là. Il n'a pas dit, tu vas trouver ce champ-là souillé. Il n'a même pas dit que tu ne vas pas voir cela épuisant, cela va épuiser toute ta vie. Non, il ne lui a pas posé cette question. Il envoya. Il n'avait aucun choix. Il y a un point, un temps dans votre vie où vous avez, où votre volonté personnelle vous est arrachée, retirée. Vous êtes tellement dépendant à cette chose, vous n'avez plus de volonté personnelle. L'idée vous parvient, vous levez, vous partez. Le citoyen vous envoie là-bas, prêt, vous partez. Et il n'y a personne sur le champ des pourceaux avec qui il faut discuter. Puis-je être libéré, pas de compagnon. Comment puis-je m'en sortir? Pas de conversation. Maintenant, il ne pouvait pas se rendre vers le citoyen qui l'avait envoyé dans ce champ-là. Cet homme n'avait aucune compassion pour qui que ce soit. Il aimait plus ses pourceaux qu'il n'aime ce garçon. Satan n'a aucune compassion pour quelqu'un. Satan aime ses pourceaux plus que le fils prodigue. Si quelque chose doit changer, il n'a aucune permission. Il n'a aucun encouragement de la part du citoyen du pays. Vous voyez combien cet homme digne s'est vendu aux mains de ce citoyen. Il n'y a pas d'encouragement, pas de compassion et personne ne pense à lui. Voyons le verset 16. Luc chapitre 15, verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Quelle indignité! Pensez à l'homme. Dieu a créé l'homme un peu au-dessus des anges. Pensez à l'homme. Dieu a fait même des anges, des esprits au service de l'homme. Pensez à l'homme. L'homme à qui Dieu a donné la dignité, à qui Dieu a donné la belle vie. L'homme à qui Dieu a donné l'autorité finale, assujettit la terre, domine sur la terre avec les hommes et les femmes, ayant l'autorité et la domination. Où est cet homme? Il a été emprisonné par le diable. Où est l'homme? Il est emprisonné dans les prisons de chaque pays. Où est l'homme? C'est un homme anarchique, sans loi. Où est l'homme? C'est un homme malheureux. Où est cet homme? C'est un homme déprimé. Où est l'homme? C'est un homme sans futur. Ensuite, finalement, dans le verset 17. Étant rentré en lui-même. Lorsqu'il parla au Père, donne-moi tout ce qui m'appartient, je sors. Il était fou. Il avait perdu ses facultés.
il n'était plus en lui-même. Son cerveau l'a trahi. Sa pensée l'a trahi. La bonté de Dieu dans sa vie n'était plus visible. Certains ne reviendront pas à leur bon sens, juste à ce qu'ils souffrent. Certains ne reviendront pas à leur bon sens jusqu'à ce qu'ils perdent quelque chose. Certains ne vont pas se retrouver eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils tombent, ils soient déchus de la grâce. Maintenant, il est tombé, il était dans la fosse la plus basse. Étant rentré en lui-même. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. » Il y a des gens de ce type-là, comme ça. Juste à ceux qui nous voient, qui sont en train de périr de manière éternelle, ils ne pourront pas changer de... Ils ne feront pas demi-tour. La voie sur laquelle ils marchent, ils voient les signes. Les signes qui disent « Retourne, retourne-toi, retourne-toi, retourne-toi. » Ils n'ont plus le sens. Ils ne peuvent plus interpréter le signe « Retourne-toi. » Ils ne comprennent pas. Toi, l'homme qui conduit, toi, celui qui a quitté la maison, toi qui a quitté la maison, retourne-toi, retourne-toi. Mais lorsqu'il est venu au fond de la fosse, il dit, je péris, je vais oublier la honte. Je vais mettre de côté tout ce que les hommes diront. Allons maintenant au deuxième point. Deuxième point, les degrés ou les niveaux de repentance par les âmes en pétition. Maintenant, il allait maintenant retrouver son chemin vers la maison. Il y a plusieurs qui se demandent où se trouve le chemin vers la maison. C'est le même ancien chemin par lequel vous avez pris pour sortir. C'est pas le même chemin que vous allez prendre pour redescendre. Le même chemin qui vous a amené à l'addiction. Le même chemin qui vous a amené à l'ivrognerie. Le même chemin qui vous a amené à vous détruire par l'alcool et le tabac. Ce même chemin vous ramènera à la maison. Les degrés de la repentance. Par les âmes en pétition. Nous allons considérer trois choses ici. Premièrement, nous avons la repentance partielle et inacceptable. Deuxième élément, la repentance propre et indéniable. Troisièmement, nous avons la repentance permanente et inébranlable. Premier élément, il y a la repentance partielle et inacceptable. Vous voyez, la repentance, si elle est partielle, elle n'est pas acceptable par Dieu. Oh Seigneur, pardonne-moi. Mais je ne peux pas quitter le pays lointain. Pardonne-moi, Seigneur, mais je ne peux pas quitter l'alcool, je ne peux pas quitter ces choses souillées.
je vais pas quitter le goût de l'alcool que je continue de prendre. Abimelech avait pris la femme d'Abraham, Sarah. Dieu lui dit, tu es un homme mort. Cette femme est la femme de quelqu'un d'autre. Restaure-la, restitue la femme. Dieu, je suis désolé. Désolé, désolé, désolé. Mais la femme-là est très belle, hein? Moi, je ne peux pas la renvoyer vers Abraham. Ça, il s'agit là d'une repentance inacceptable. Une mauvaise chose dans votre main. Une chose pécheresse dans votre vie. Que Dieu est en train de pointer. Abandonne. Oui, ma miséricorde t'attend. Mon amour t'attend. Et tu dis, ah, je suis déjà habitué à fumer. Je suis déjà habitué à la vie gâchée. Je suis déjà habitué aux boîtes de nuit. Je suis déjà habitué, lié à cette chose qui détruit ma vie. Je suis déjà habitué. Mais Dieu, tu es quand même un Dieu miséricordieux. Et tu continues de t'accrocher aux choses mauvaises, maléfiques. C'est la repentance partielle, inacceptable. Deuxième élément. Deuxième élément. C'est la repentance propre et indéniable. Cette repentance requiert l'action. Luc chapitre 15, verset 18. Je me lèverai. Le mot là, leverai. Vous voyez, le jeu dormait. Sa volonté était presque moribonde. Sa volonté était non fonctionnelle. Quelle est la dernière fois que vous avez utilisé votre volonté? Cette volonté qui vous conduit à la perdition. Je me lèverai. Quelle est la dernière fois où vous avez pris la résolution? Je sais que ce que représentait la vie chrétienne il y a de cela 20 ans, 30 ans. Je connais le sérieux. Il y avait la conscience de la voix du Saint-Esprit il y a de cela 40 ans. Les choses sont différentes maintenant. Et tu as été ballotté par les vagues de mer, de vent, de tout ce qui se passe autour de toi. Est-ce que tu continues de lire la Bible? Oui, tu continues de lire la Bible, mais ça n'a aucun iota d'influence sur ta vie. Oui, c'est vrai, tu continues d'écouter les messages chrétiens. Mais cela ne propulse pas ta volonté. Ta volonté est morte et dormante. Mais il y a un jour qui vient dans votre vie. Vous vous demandez, que pourrais-je devenir sans l'utilisation de ma volonté? Comment pourrais-je retourner à la maison sans mettre en œuvre ma volonté? Aucun changement ne peut venir dans ma vie si je ne peux pas mettre en œuvre ma volonté. Tout ce que vous suspendez deviendra dormant. Si vous suspendez, vous cessez l'emploi de vos mains. Cette main va mourir et deviendra moribonde, dormante. Si vous rendez votre cerveau vacant sans l'employer, il devient dormant. Si votre personnalité distincte est suspendue et vous n'utilisez pas votre personnalité distincte,
et elle est dormante, elle mourra bientôt. Vous allez paraître comme si vous n'avez aucune personnalité. Mais le jour où vous vous réveillez et vous dites, je me lèverai, j'irai vers mon père. Il y a plusieurs pères, mais j'ai un seul père. Satan est un père pour les gens qui sont égarés. Et également, il y a des pères traditionnels. Il y a aussi un père autoritaire. Il y a un père auquel tu as vendu ta vie. L'habitant dans le pays lointain était devenu son père. Il dit non, ça, ce n'est pas mon véritable père. Il me met au même rang que les pourceaux. Ça, ce n'est pas mon vrai père. Je me suis assis au fond de la vallée. Ça, ce n'est pas mon père. Mon père, rempli d'amour. Mon père, très attentionné. Mon père, me rachetant. Mon père, appréciant ma vie, mon père, pourvoyant à tous mes besoins, mon père, pardonnant tous mes péchés, mon père, me sauvant. Le souvenir de toutes ces choses me fait pleurer. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché. Père, j'ai péché. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Voyons le verset 19. Verset 19. Je ne suis plus digne. Personne n'est digne du pardon. Personne n'est digne de la liberté. Pour le salut, personne n'en est digne. La restauration, personne n'en est digne. Le renouvellement, personne n'en est digne. Le réveil dans votre âme, personne n'en est digne. Revenir au lieu où vous avez été avant, ce n'est pas par mérite. Personne n'en est digne. Si vous revenez à la maison, si vous revenez au Père Céleste, avec la fausse idée, pour dire c'est moi, je suis tel tel, regarde mon nom, je demande que tu me pardonnes maintenant. Personne ne demande le pardon de la part au Père Céleste. Personne n'est digne. Vous avez perdu toute cette dignité lorsque vous avez péché et que vous êtes rendu dans un pays lointain. Maintenant, je suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Maintenant, nous allons considérer le verset 20. Dans le verset 20, « Et il se leva et alla. » Il a dit, « Je me lèverai. » Ça, c'est l'intention. Il se leva, c'est l'action. Il y a des gens qui ont des intentions. « Je me répands. » L'intention. « Je me retournerai, je me détournerai. » L'intention. Je ferai un nouveau changement. C'est l'intention. Je vais arrêter l'addiction. Ça, c'est de l'intention.
Je sortirai de la mauvaise, de la société impie. C'est l'intention. L'intention n'amène personne nulle part. C'est l'action qui suit l'intention qui nous ramène au bercail. Et si nous allons retourner au bercail, l'action doit suivre l'intention. Et il se leva et alla vers son père. Et alla vers son père. Est-ce que le citoyen l'a libéré? Si vous allez attendre jusqu'à ce que Satan vous libère, vous ne sortirez jamais. Si vous allez attendre que votre maître, celui que vous avez fait votre maître, qui vous libère, vous allez attendre toute votre vie pour toujours. Vous ne serez jamais libéré. Satan ne libère personne volontairement. Vous devez récupérer votre liberté. Vous devez vous tenir sur votre intention. Vous devez dire, je me lèverai. Mais même si Satan dit non, tu ne le feras pas. Tu dis, qui es-tu, Satan? Lorsque Satan dit non, tu dis non. Tu dis non, je suis le maître de ma pensée. Je suis celui qui commande au bord de mon bateau. Et maintenant, je me lève et je reviendrai. Satan, tu me laisses partir. C'est comme ça que vous prenez la résolution. Donc, vous vous dites, cette chose ne va pas me lier. Cette chose ne va plus me retenir. L'odeur de cet alcool-là, c'est fini. Le goût de ces mauvaises choses-là, c'est fini ça. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit. Peu importe ce que vous avez fait, l'amour du père va vous localiser. La miséricorde du père va vous localiser. Il connaît votre cœur, il connaît les regrets, il connaît la repentance, il connaît vos sentiments. Il sait la perte que vous avez endurée. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut. Le père courut. Dieu courut. Jésus courut. Te voici là. Tu marches lentement. La culpabilité a ralenti ta marche. La condamnation et la honte ont ralenti ta vitesse. Tu viens, mais tu viens lentement. Tu viens avec la probabilité. Va-t-il me recevoir ou bien me rejeter? Pendant que tu es lent, et l'ambinant, le père te voit, dit, voici mon fils. Voici mon fils. Et lorsque le fils ne pouvait pas courir, le père courut. Il court pour te rencontrer. Il court pour te recevoir. Il court pour te restaurer. Il court pour te régénérer. Cours pour transformer ta vie. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Voilà le numéro 3.
Numéro 3, c'est la repentance permanente et inébranlable. Son fils prodigue vint avec l'intention. J'étais insensé, plus jamais ça. Je me suis éloigné, plus jamais ça. Je pensais qu'il y avait quelque chose de bon dans le pays éloigné. Maintenant, j'ai été là-bas. Et il n'y a rien de bon dans ce pays lointain. Je peux maintenant faire la comparaison. La joie à la maison. L'amour de la maison. La compassion d'un père miséricordieux. Et maintenant, je peux me rendre compte maintenant, moi, le jeune homme, je traînais mes pas. Le père qui est vieux, il courut vers moi. L'ancien des jours courut vers moi. Le Dieu du ciel, tout-puissant, couru vers moi. Ça, c'est un amour ineffable. Ça, c'est un amour plus élevé que les cieux. Je suis de retour à la maison, plus jamais retourné. La repentance permanente, inébranlable. Job 34, verset 31. Job 34, 31. Job 34, 31. Job chapitre 34, verset 31. Car as-tu jamais dit à Dieu, j'ai été châtié, je ne pécherai plus. Même la pensée de retourner dans le pays lointain, je ne vais plus entretenir cette pensée-là. Verset 32. Montre-moi ce que je ne vois pas. Je n'avais pas écouté mon père. Et j'ai dit, je vais faire l'expérience par moi-même. Et j'ai essayé d'aller dans le pays lointain. Pour découvrir par moi-même la réalité. Ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. Certains disent, je ne sais pas s'il y a le ciel ou pas, il y a l'enfer ou pas. Je vais l'essayer par une expérience personnelle. Une fois que vous allez en enfer, il n'y a plus de possibilité de revenir. Alors vous ne pouvez pas dire, j'irai d'abord en enfer pour voir si c'est chaud ou pas. Et vous vous dites, ah, l'expérience est la meilleure enseignante. Et que lorsque vous serez en enfer, cette expérience en enfer sera la bonne enseignante pour vous. Mon frère, une fois là-bas, il n'y a point de retour. Laissez Dieu vous enseigner. Il dit, montre-moi ce que je ne vois pas. C'est toi qui peux m'enseigner ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. Son fils prodigue est revenu à la maison. Alors, il fut reçu. Nous abordons maintenant le troisième point. Troisième point. La grâce pour le renouvellement d'un fils pénitent. La grâce pour le renouvellement d'un fils prodigue. Voyons Luc chapitre 15. Nous allons considérer le verset 20. Dans Luc chapitre 15, verset 20.
il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Verset 21. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Lorsqu'il a eu l'intention, c'est ce qu'il avait dit qu'il ferait. Lorsqu'il posa l'acte, il n'a pas changé sa pensée pour dire, pour que je dise que moi je suis un pécheur, dire que j'ai péché contre le ciel. Ce langage-là va trop me rabaisser, me dénigrer. Et mon père dit, ah, te voilà maintenant, tu as appris de tes expériences. Il y a d'autres qui disent qu'ils viendront au Père pour se repentir, mais ils changent ce qu'ils ont résolu dans leur cœur avant de venir. C'est à ce point-là qu'on voit si la repentance est propre et authentique. Ce qu'il a résolu en son cœur de dire, c'est exactement ce qu'il a dit au Père. Voyez le verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. » Déjà, vous pouvez voir le changement, la transformation. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Verset 23. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Verset 24. Car mon fils que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu. Et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Il y a la joie au ciel, la réjouissance au ciel, de l'enthousiasme au ciel, la gloire au ciel. Pour un seul pécheur qui se répand et revient au bercail. Qu'est-ce qui le ramena à la maison? Qu'est-ce qui lui a donné un nouveau siège à la maison? Qu'est-ce qui lui a donné de recouvrer tout ce qu'il avait perdu dans la maison? La grâce. Tout est pas grâce. Je vais épeler le mot grâce. J'ai. Le G, la lettre G dans la grâce, mais en anglais, pour la porte de l'acceptation divine. C'est la porte, ce n'est pas de toi, cela ne dépend pas de moi, ni de personne. Tout dépend de Dieu qui fait miséricorde à qui il veut. Qu'est-ce qui a fait que le jeune homme a été accepté? C'est la compassion de Dieu. C'est l'amour de Dieu, ça. Le portail, la porte de l'acceptation divine. La lettre G, la lettre R. C'est la robe et
l'anneau de l'autorité déléguée. Il ne connaissait pas le tailleur qui a cousu la robe. La robe de la justice est pourvue depuis le ciel. Et vous ne pouvez pas avoir un duplicata ici sur terre. La robe de justice qu'il nous donne, elle est préparée et fabriquée depuis le ciel. Sans que vous n'ayez payé aucun franc, la robe lui a été remise. Et l'anneau de l'autorité déléguée, en ces jours-là, en ces époques, lorsqu'un roi, lorsqu'un monarque vous donne un anneau, tout ce que vous écrivez, tout ce que vous demandez, l'image et l'effigie de cette autorité est sur l'anneau. Et lorsque vous tamponnez cela sur votre demande, cela, cette demande est honorée comme si votre père qui est propriétaire de l'anneau a fait la demande lui-même. La robe et l'anneau de l'autorité déléguée. La lettre A, la grâce. Parlant de l'assurance d'une double affirmation. Il n'y avait aucun doute dans son cœur. Comme le Père m'a accepté, ai-je encore d'assurance? Regardez ma robe, l'assurance. Regardez l'anneau à mon doigt, l'assurance. Regardez l'ambiance dans la maison, l'assurance. Et comme vous venez au Seigneur, vous pourrez avoir l'assurance. Parce qu'il est un Dieu d'amour. À cause de l'amour de Dieu. À cause de la provision du Seigneur. Et à cause du Dieu de la provision. Il ne rejette personne. Venant du pays lointain, venant, le Père t'attendait depuis longtemps. Le Père courut l'assurance avec l'affirmation double. La lettre C. C'est la compassion sans la colère méritée. Le Père avait le droit de se mettre en colère contre lui. Le Fils prodigue méritait la colère. Mais il n'y a pas de colère dans le cœur du Père. Quand vous revenez, il ne se rappelle plus des douleurs que vous lui avez causées. Il ne se rappelle plus du gâchis de votre vie. Son amour le submerge, son amour déborde et dépasse tout ce que vous avez fait dans la vie. La compassion sans la colère méritée. La lettre E. Il s'agit là de l'échange d'une association damnable pour une assemblée agréable. Pour la première fois, ce jeune homme peut respirer un nouvel air parce qu'il s'est retrouvé maintenant dans une assemblée agréable. Tout le monde se réjouit. Personne ne condamne. Personne ne regarde d'un air bizarre. Maintenant, quand vous revenez à la maison, dès que vous revenez ici dans la plénitude de la provision de Dieu.
Le Seigneur ne va pas se mettre à citer tout ce que vous avez fait de mauvais, à détailler tout. Il vous a pardonné. Tout est nouveau. Vous êtes renouvelé. Vous allez vous réjouir. Un seul jour avec le Père vous amènera à oublier 10 ans dans le pays lointain. Cela va balayer toutes ces choses de votre mémoire. Je suis de retour à la maison. Reviens à la maison. Levons-nous, reviens au bercail. Reviens. Reviens. Reviens au bercail. La joie t'attend. L'acceptation t'attend. Tu peux venir à travers la porte. La porte est ouverte. Et il vous accepte. Vous pouvez venir, il vous donnera la robe de justice. Vous pouvez venir, il vous donnera de l'assurance. Vous pouvez venir, sa compassion vous attend. Et vous allez échanger, voyons, pour recevoir les richesses dans la gloire. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur dans la prière. Transformez votre intention en action. Venez. Venez. Viens. Ne retourne plus là-bas. Viens à la maison. L'amour du Père, la compassion, la miséricorde du Père sont si abondantes pour vous.